Voilà, si j'ai cherché à faire paraître ce manuscrit, c'est parce que ça fait longtemps que je reçois des enfants et leurs parents et que j'ai constaté qu'ils étaient toujours très intéressés par le développement de l'enfant. Et comme je passe beaucoup de mon temps de professeur de pédopsychiatrie à enseigner le développement de l'enfant aux étudiants en médecine et aux professions paramédicales et aussi à intervenir dans beaucoup de circonstances, je trouvais que peut-être le temps était venu de m'adresser directement aux enfants et à leurs parents. Et c'est un peu dans cette optique que j'ai écrit ce manuscrit qui leur est directement adressé. Alors j'essaie d'y aborder un certain nombre de points qui sont utiles pour que les enfants comprennent un petit peu dans quel monde ils sont et comment ils peuvent, en comprenant mieux ce qui se passe dans leur développement, être plus réactifs par rapport à ce monde et aussi acquérir un peu de profondeur, dont les enfants d'aujourd'hui ont sûrement beaucoup besoin pour échapper à tous les troubles psychiques qui rôdent autour d'eux. Voilà un petit peu dans quel esprit j'ai demandé à Marie-Françoise Sacrespère d'accepter ce manuscrit et j'espère que les lecteurs enfants et aussi leurs parents seront intéressés par cette proposition que je leur fais.